Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo boîte de pensage améliorée parce que la boîte de pensage que j'avais fait avant, on voyait pratiquement rien parce que je filmais côté inversé, comment dire, retour d'image. Donc, désolé pour mon vernis, il est vraiment dégueulasse, c'est un rêve en plus. Voilà. Moi c'est une GB, ça a un sens, sauf que c'est une fausse parce que la vraie a plein de petits carrés. Donc, moi c'est plutôt des gros, mais la vraie a des petits carrés et c'est écrit Fuganza parce que la vraie on peut la trouver à Fuganza, enfin de la marque Fuganza, on peut la trouver à Decathlon, mais moi je ne l'ai pas trouvée à Decathlon, je l'ai trouvée à Intersport. Donc, voilà, un petit carré là pour mettre son prénom. Pour mettre une étiquette avec son prénom, donc c'est ce que je vais faire. Enfin voilà, il y a plein de petits carrés. Donc elle est rose, sauf à la poignée rétractable qui est brune et aux ouvertures. Voilà, là on peut mettre un cadenas. Et juste au-dessus, il y a un petit logo d'un cheval qui passe dans un cerceau d'étoiles. Voilà, donc on va commencer. Donc, elle s'ouvre comme ça, simplement. Voilà. Donc, il y a plusieurs compartiments. Il y en a deux, plus précisément. Il y a ce premier compartiment ici et l'autre compartiment juste ici. Donc, ça, je l'emmène dans le box avec moi. Donc, voilà, c'est bien. Voilà. Donc, on va commencer par ce compartiment. Alors, on peut y trouver une brosse douce achetée à Intersport de la marque, il n'y a pas de marque. Là, elle est orange, noir, blanc, orange. Non, non, orange, noir, blanc, noir, orange. Les poils sont bleus et le contour noir. Elle est moins douce que celle que j'avais avant, mais voilà. Si on m'a dit de prendre celle-là, parce que l'autre n'était pas douce du tout. En même temps, elle est plus grande, parce que l'autre a été beaucoup trop petite. Et celle-là, elle est beaucoup mieux pour ma main. Voilà, on va pas rester 10 ans. Donc ça, c'est du bois, hein, voilà. On va pas rester 10 ans sur une brosse. J'ai mon cure-pied. Alors, ça se passe partout sur le poil du cheval, comment dire, pas en contresens, mais dans le sens du poil du cheval et partout sur le cheval. Sur la tête aussi, mais il faut faire très très attention parce que c'est très fragile. Donc voilà. J'ai ensuite mon cure-pied brun avec une brosse et l'embout comme ça. Il a déjà été utilisé, hein, à part la brosse là. Là, voilà. Voilà, j'ai évité de faire ça parce que là, il faudrait que je mette un élastique si je veux pas que les poils partent dans tous les sens. Donc, le cure-pied, on peut le passer partout sauf sur la fourchette parce que c'est très fragile. On peut juste passer un petit coup de brosse. Voilà. Ensuite, j'ai mon étrier finlandaise. Voilà. On m'a dit, mais enfin je pense pas que c'est vrai, mais qu'on peut la passer sur l'écran. Donc voilà, elle se passe par, non, sur les points charnus, voilà, du corps. Il me semble, je sais plus. Elle est un peu petite pour moi, hein, comme vous voyez, mais ce n'est pas grave parce que si je l'enfonce vraiment au bout, ça va. Donc voilà. Une laiterie finlandaise noire, noire, excusez-moi, brune. J'ai mon peigne, donc ça c'est pas pour démêler les crins, surtout pas, c'est juste pour faire comment dire, si on veut faire des nattes ou des coiffures, hein, donc voilà, là j'attacherai peut-être quelque chose. Voilà, j'ai donc ma brosse douce, donc là elle est vraiment plus douce que l'autre, mais elle est beaucoup trop plus pour moi. Alors, je vais vous montrer si j'arrive déjà à l'enfoncer. Et voilà,
J'ai un tout petit peu serré, hein. Même un peu beaucoup. Voilà. Ensuite, donc, dans la brosse d'eau, j'ai dit où ça se passait. Donc, voilà. Le bouchon se passe sur les parties charnues du cheval, dans le sens du poil. Donc, une fois dans le sens du poil, une fois dans le sens pas du poil. Voilà. Un bouchon, hein, tout simplement. Et enfin, donc, ma brosse préférée. Hein. Un étrier molle, ouais. Ou l'étrier en caoutchouc comme vous souhaitez. Donc elle se passe en mouvement circulaire, donc en faisant des ronds, sur le poil du cheval et pareil sur des parties charnues. Voilà. Voilà pour les brosses. Donc c'est tout pour ce compartiment-là, donc il est un peu sale en fait. Voilà. Je prends soin de mes affaires. Hein. Je tiens à préciser. Voilà. Ensuite, dans le compartiment là, donc ici, on peut mettre un pinceau ou une cravache, mais moi la cravache, je ne la mets pas. C'est juste quand c'est ouvert, hein, je la peux pas mettre. Bref, voilà. Ensuite, c'est trottin. Voilà, et après, il suffit juste de le renfoncer dans le petit. Voilà. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai déjà mes gants. Donc tout a été acheté à Intersport, la boîte, tout. Donc voilà. Hein. Donc ça, le bouchon a été acheté à Intersport, les trifalandaises aussi. Donc ça, attendez, je vous montre. Ça, c'était un ensemble hein, qui allait dans la boîte. Qui allait dans la boîte là que j'avais avant. Voilà, c'était un ensemble. Voilà. Mon lit est en bazar. Il y a plein d'affaires partout sur mon lit. Bref, voilà. Donc, tout a été acheté à Intersport. Donc, ensuite, j'ai mes gants achetés à Intersport. À Intersport. Donc, c'est écrit Toudette. Voilà, Paris. Donc je mets pas pour l'équitation, enfin seulement quand il fait froid parce que bah, sinon bah, voilà. Il n'y a pas d'antidérapant, mais et donc bah voilà. Ensuite j'ai une éponge que j'ai mis dans un sachet zip parce qu'on sait jamais, hein, si je nettoie le cheval, voilà, je vais me mettre dans un sachet zip. Donc une éponge aussi que j'avais eu avec l'ensemble. Voilà l'ensemble, ça sauf ça élégant bien sûr. Voilà, ensuite j'ai un couteau de chaleur, ça je tâcherai peut-être quelque chose ici que j'avais eu également dans l'ensemble. Donc je crois que ça se passe également sur des parties charnues. Excusez-moi. Alors ça, un couteau de chaleur sert quand le pincé l'été, le cheval sue, ça sert à enlever toute la sueur, donc on fait ça. Donc ben voilà, ça sert à enlever. Il y en a qui ont des petits crans là, mais non. Il y en a qui ont aussi des étrées américaines, je n'ai pas d'étrées américaines parce que ça blesse le cheval, tout simplement. Enfin, moi, dès que je touche, pour moi, ça blesse le cheval. Voilà, en fait, j'ai l'école. Alors, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Je vais faire ça. Un tout petit instant. Je pose un instant. Enfin, voilà. Juste le temps que je prenne bien mon école pour que je puisse vous montrer. Alors, c'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, je crois que c'est tout. Je sais pas.
pas combien, mais bon. Enfin, bref, c'est un licol. Je sais pas comment je vais vous montrer. Voilà, donc il y a. Je sais pas, de l'espèce de petit truc en plastique. Hein. À la muserolle et. Ce se passe derrière les oreilles, je sais plus le nom. Voilà. Ça, c'est les montants avec des choses sur les côtés. Hein. Ça y est. Taille full, full, donc taille cheval, je ne monte pas de poney, hein. Sinon c'est le poney, enfin c'est moi qui va porter le poney. Voilà. Voilà. Et voilà, tout simplement un licol normal, avec sa longe, donc c'est moi qui l'ai enroulé la longe, c'est pour ça qu'elle est mal enroulée. Avec donc un mousqueton tout simple, un gros mousqueton argenté, donc voilà. Donc il est brun et rose clair, donc brun, rose clair, brun, et pareil sur la longe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye!